Les appels au boycott ou encore les révélations des candidats ont occupé les sujets de conversation sur la toile ces dernières semaines. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette quatrième saison des Vacances des Anges aura marqué un tournant dans l'histoire du programme phare de Énergie 12. La chaîne avait beaucoup misé sur quelques candidats afin de rebooster ses audiences, notamment avec Sarah Frézou, Raouel et sa sœur Rania. D'ailleurs, selon nos informations, le trio a très bien négocié pour participer à l'émission tournée à Saint-Domingue, République dominicaine. En effet, les trois jeunes femmes ont touché une très belle somme avec près de 1000 euros par jour de tournage. Dans quelques heures, les téléspectateurs pourront visionner le 27e épisode des 18h15.4 candidates face à la production devant la justice depuis plusieurs semaines, les Vacances des Anges et dans l'œil du cyclone. La faute à l'émergence du hashtag, #BoycotteLosAnges, aux révélations et aux témoignages émanant de plusieurs candidates. En effet, lors d'un live organisé sur Instagram, Angèle a révélé avoir été menacée physiquement et victime de harcèlement sur le tournage du programme de télé-réalité. Même son de cloche pour Natania ou encore Anya, qui ont participé à cette discussion sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, les trois stars de télé-réalité étaient sur le plateau de Touche pas à mon poste le mois dernier pour faire davantage de révélations. Mais ce n'est pas tout, puisque les jeunes femmes ainsi que Raouel ont assigné la production en justice. Elles ont donc pris un avocat, qui s'est confié sur l'avancée de l'enquête dans une vidéo publiée par Sam Zira. Mise en danger de la vie d'autrui, harcèlement moral, harcèlement sexuel, le fait de mettre à disposition des substances gravement illicites comme des stupéfiants et surtout de la cocaïne, et également le fait d'organiser des rapports, de favoriser et d'inciter à des rapports sexuels non consentis, ce qui s'appelle ni plus ni moins que de la prostitution et du proxénétisme, tout ça fera l'objet d'enquêtes et aboutira à des procès qui sont publics et des condamnations des responsables, a-t-il expliqué. Toute reproduction interdite sans la mention publique. Voir également, exclu vidéo, Raouel, les Vacances des Anges 2, je n'arrivais plus à me contrôler, j'ai préféré rentrer chez moi. La rédaction à lire aussi à